film parle d'aventure. Une aventure humaine. Car c'est avant tout l'histoire de deux potes, Pierre et Maximilien. C'est aussi une histoire d'aventure, celle de ce Pacific Crest Trail, ou plutôt cette traversée des États-Unis. Une marche qui commence à la frontière du Mexique, suivie des 4260 km pour atteindre la frontière canadienne. Une aventure de 146 jours passés à marcher, loin de tout. Chaque année, ce sont plus de 5000 personnes qui partent pour tenter cette traversée. Mais seulement 500 d'entre eux finiront le tracé. 3 mois après leur retour en France, Maximilien et Pierre reviennent sur cette aventure dans une interview. Mais tout commence vraiment le 19 avril 2016, à San Diego, un jour avant le départ. Il va falloir que tu m'aides là, parce que... 18 kilos. Avec. Il me manque 1 litre d'eau. Mais par contre, j'ai 5 litres d'eau. On a 4 jours de nourriture. En tout cas, départ demain, jour J demain. Et on a hâte d'être dans le désert pour vivre cette première journée, les gars. Quand on est au mur et qu'on voit l'immensité de ce qui nous attend. Voilà. C'est ça, on est sans mots, on se dit bon bah, de toute façon maintenant on y est et puis pas le choix, c'est parti. Donc on y est, hein, on s'est levé à 5h30 du mat aujourd'hui. On est bien fatigué, mais on est content d'être sur le tracé. Mexique, États-Unis, et puis c'est parti, il nous reste 4250 km à parcourir. Sous 35 degrés aujourd'hui, je pense. Le sac fait 18-20 kg, donc ça devrait aller pour la première journée. Allez, c'est parti. Et puis tu marches un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis là ça fait 1 mile. Retour à la réalité. T'as fait 1,6 km sur une demi-heure, tu fais putain, c'est pas beaucoup quand même. Et tu dis qu'il t'en reste 4300 comme ça. Et tu dis bon. Alors ? Putain mec, c'est hardcore de ouf. Hein. Je pense que ça va être la première scène la plus tendaxe de toute ma vie. Quoi. Faut qu'on s'embarque. Ah putain, pas du tout mec. Oh fuck. Alors là on est à la fin du premier jour, on a déjà fait 25 km et... On est dans le caca de ouf. Et il nous reste ça là-bas là. Le sac il tape sur les épaules, il tape sur le dos. J'ai sous-estimé. La montée là, il y avait une montée finale à la fin de la journée avec un sous la chaleur folle quoi, et puis chaleur extrême, fatigué, même les premiers jours on avait déjà vu notre premier serpent à sonnette le midi, donc qui était venu, j'étais en train de lire un bouquin et il est venu mais à côté de mon pied, juste à côté là, j'ai fait un bond en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, et puis donc ça nous avait vraiment mis dans le jus, et puis l'après-midi enfin, c'était dur, c'était vraiment l'après-midi dur. Était long, ouais. Il y avait des mecs qui étaient assis sur le côté, qui avaient envie de vomir. Ouais, c'était la première journée pour tout le monde en fait, donc ouais, tout le monde était un peu dans le mal quoi. Il y avait des gens qui disaient mais c'est pas possible quoi, j'y arriverai pas, ou... Il y en a qui se sont même arrêtés au bout de 10 miles alors qu'ils avaient prévu de faire 20. Mm-hmm. Alors, c'était la moitié de la journée, donc, c'était déjà arrêté. 16 km à peu près. De toute façon, bah, tu prends sur toi, tu dis allez. On s'était préparé psychologiquement à se dire les deux premières semaines ça va être l'enfer, ça va être trop dur, donc... On le savait, on disait, même si on galérait à fond, on se disait mais ça va être les deux premières semaines, ça va être comme ça. Fallait relativiser, fallait dire bon demain ce sera une autre journée et voilà. Voilà, ça c'est ouf. Demain est un nouveau jour et ça n'a jamais été aussi vrai que sur le trail. C'est vraiment reset quoi, la nuit, reset, demain c'est une autre journée. On est au 30e mile et on n'a pas d'eau au prochain campement, du coup on va être filtré l'eau avec ça. On va trouver une petite source juste ici, bien sympathique, donc on va se réapprovisionner pour le repas de ce soir et voilà. I met on the coast in 17 hours, picking them bulkhead dogwood flowers, and I'm hoping for Raleigh, I can see my... Ça y est, on y est. Putain, mon gars. Fin du deuxième jour. Fin de la bataille. Fin de la deuxième bataille, c'est une longue guerre, putain.
Donc pour ceux qui déjà arrivent pas trop à cerner ce qu'est le voyage, parce qu'on a eu pas mal de questions aussi, est-ce que c'est un road trip, est-ce que c'est un machin, c'est de la marche, c'est vraiment Mexique-Canada à pied, pas de voiture, voilà, c'est vraiment purement et simplement de la marche. Donc ce qui implique marche, c'est on est dans des états sauvages, des milieux qui sont pas forcément propices à l'activité, enfin c'est des milieux assez hostiles. Et donc il y a des animaux, il y a des buissons qui peuvent vous envoyer à l'hôpital, comme le poodle dog bush. C'est, j'aurais dit, moite-moite. C'est facile quand on commence à s'y faire et quand vraiment on se met dans le mental que voilà, on a les 4000 km à faire, ça va être super joli, profitons-en quoi. Et c'est pas facile d'un autre côté parce que mais c'est, faut les tenir, les 35-40 km de marche en moyenne par jour. Oui. Enfin, c'est, physiquement c'est éprouvant, mais de toute façon on le sait. Non, mais il y a les éléments aussi, il y a les rivières à traverser, il y a tellement de... La nature est là quoi. Mais non, mais après c'est comme dans la vie de tous les jours en fait, t'as des jours avec, t'as des jours sans. Voilà. Il y a des jours où tu vas aimer ce que tu fais, tu vas pouvoir marcher 40 km, mais à côté de ça t'auras vécu des trucs, enfin il sera passé un truc que tu pourras raconter après pendant toute ta vie quoi. En fait au bout d'un moment t'as le physique donc qui monte, et au bout d'un moment c'est ton mental qui prend le dessus en fait. Enfin le physique ça passe après, et c'est nous c'est ce qu'on a ressenti pendant cette randonnée en fait, c'est que il y a un temps d'adaptation physique, donc nous ça a duré après, je pense, 2 semaines, 20 jours après. Le poids du sac, les épaules qui se font et tout. Et au bout d'un moment, en fait, enfin, t'as vraiment plus mal aux jambes, t'as plus de courbatures. Il a fallu apprendre pendant les 2 premiers mois où j'avais pas de mental du tout à relativiser et à vraiment voir la différence entre les bons jours quand je pensais positivement et les mauvais jours. Et ben ça, enfin, s'il y avait, mais un écart de fou, même mes performances physiques étaient mieux quoi. Et donc c'est vraiment important de chasser toutes ces pensées, même si c'est facile d'y penser. On s'est rendu compte que tu mets ton iPod pendant une heure, tu penses plus à rien à part à la musique qui est en train de te booster et qui te fait avancer un peu plus vite et qui te booste tout simplement et qui te fait penser à autre chose. Puis même la musique te rappelle des souvenirs, ouais. Ou tu, enfin, et ça nous fait penser à autre chose et on switch. Hop. Il y en a un qui râle. Hein, Rémi ? Il y en a un paquet qui râle. Donc là on est avec Rémi, un randonneur français qui se plaint tout le temps. C'est moi. Je suis allumé aux sandales, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que tu nous prépares ce soir, Rémi? Le mac and cheese pour le 3e soir d'affilée. Pour changer. On était affamés tous les jours, on pensait à tous les plats, les machins. On en a créé des méga plats. Ultimes. Notamment les plats français, mais en fait on avait de plus en plus faim. On s'est rendu compte que, je sais pas, le corps changeait au fur et à mesure du temps. Faim, du coup, des zombies quoi. T'avais tout le temps faim quoi. C'est la première fois de ma vie que j'ai mangé autant de cochonneries, ouais. Pour pas dire conneries. Et je maigrissais à vue d'œil quoi. C'était fou quoi. Ouais. Je mangeais mais n'importe comment, n'importe quoi, allez, le plus de calories possible parce qu'on en dépense tellement dans la journée. Et au final, bah, tu as mangé 5 paquets de M&M's dans la journée. Il n'y a pas de souci quoi. Il n'y a pas de souci. Et oui, un système de trade s'était mis avec d'autres randonneurs. Donc tu disais, bon, qu'est-ce qui se reste dans le sac? Ok, il me reste une Clif Bar, mec. Et ben moi, il me reste un sachet de ramen. On trade? Allez, tchit. Et bim. C'était le troc du randonneur quoi. Ouais, c'était pas mal. Les Pringles, ça c'est la vie. De l'eau avec nos petits cachets dedans qui nous permettent de nous revitaliser avec des petites vitamines. La cuillère fourchette de ouf. Et puis on va se manger de la creamy potato cheddar soup. Au cheddar. Voilà. Bien, bien, bien. J'avoue que je me les pèle, je suis tout poussiéreux. Enfin, franchement, c'est pas un endroit où on mange d'habitude. Pour la première fois, je pense que c'est la première fois qu'on a marché autant pour avoir le droit d'aller se faire un fast-food McDonald's. Ce matin, ça fait 22 km là, 22 km qu'on va dire. So please continue Pierre and LP singing that song.
Salut, salut! Ici, c'est la Water Cache. Ça fait 65 km pour Dapado. Et il y a des gens bien débiles qui nous ont passé de l'eau. Quel est le principe des Water Cache, Pierre? Le principe des Water Cache, en fait, c'est que les sources sont tellement à sec cette année que du coup, il y a des gens qui laissent des litres et des litres d'eau à disponibilité des hikers. Comme nous, et on est bien content de les trouver du coup. Salut les gars, donc aujourd'hui... Je déconne. Salut les gars, donc aujourd'hui ce sont les journées qui font plaisir. On vient déjà de se taper 35 km. Nous allons descendre toujours pas de sang. On peut remonter toujours. On était parti sur l'idée de prendre une tente pour une tente par personne. Parce que du coup, la tente, en fait, c'est le seul lieu où tu te retrouves, où tu es vraiment tout seul, tu en fait, es le soir. Dans ta bulle, le soir. Donc, c'est un peu ouais, ton petit confort, c'est ta propre maison. Ouais. Et tu es bien content de l'avoir le soir. La plupart du temps, on dormait sans toit à l'extérieur. Donc, il y a toit à l'intérieur, toit à l'extérieur. Toit à l'intérieur, c'est juste une moustiquaire. Donc, on voit tous les alentours quand on ne met pas la toile à l'extérieur. Juste matelas par terre, enfin, matelas gonflable par terre, les petits matelas, le duvet, puis tu dors là, quoi. Et tant pis s'il y a des araignées, tant pis s'il y a des conneries qui viennent te titiller le nez la nuit, mais c'est beau, ça vaut le coup quoi. Toi à l'extérieur, on est là vraiment la bulle. Et il y a vraiment des soirs où je disais aux autres, bah écoutez, moi ce soir je mets ma bulle parce que j'ai envie d'être dans ma bulle et j'ai envie de déconnecter quoi. T'en as besoin ouais. Voilà. Alors voilà, 3h du matin. C'est une petite dernière tortillas, beurre de cacahuète, banane. Histoire d'aller faire le banane Powell tranquillement. Éviter la chaleur. Éviter la chaleur et surtout un beau lever de soleil. Ça filtre ou quoi? Une heure pour faire un litre. On a voulu faire ce trip parce qu'on voulait aussi échapper à la routine. Et donc il y a différents moyens d'éviter la routine. Bon, c'est sûr, il y a une routine qui se met en place, on ne peut pas y échapper. Mais on peut régler on peut changer les kilomètres qu'on fait pendant la journée. On peut changer l'heure de réveil. On peut prendre des pauses différentes, enfin, on peut modeler sa journée en fait pour que chaque jour soit différent. Donc il y avait des gens qui avaient besoin d'une routine de ok, de 5h du matin à midi je marche, de midi à midi 15 je mange. Et nous c'était bah voilà, on prenait la journée comme elle allait arriver. Bah, si à 11h on avait vraiment faim, bah tant pis, on s'arrêtait, on mangeait. À 11h et voilà. Je me suis blessé sur le trail pendant. J'étais out pendant 5 jours. Mec, ça fait une chute, c'était quand? C'était dimanche. Donc une bonne chute sur la glace. On a eu un peu peur que ça s'infecte à cause des cailloux, parce qu'il est tombé sur un gros rocher. Il a laissé un bout de peau sur un rocher et donc on avait peur que ça s'infecte. Sa plaie, elle était pas belle. C'était tout gonflé, c'était jaune, c'était suppuré, enfin c'était dégueu quoi. Il y avait énormément de passages de rivière, des machins et heureusement que Pierre était là. J'ai enfilé ma blouse d'infirmier. Il a enfilé sa blouse d'infirmier, on a cautérisé tout ça. Faut être en phase avec là, on s'est dit, est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on descend tous les deux? Est-ce qu'on switch cette partie-là? Du coup, est-ce qu'on prend le bus tous les deux? Ou est-ce que chacun fait son truc de son côté et voilà, on se revoit dans 7 jours quoi. Et du coup, au final, c'est ce qu'on a fait et c'était pas mal. Oui. Et ça y est, on est reparti depuis cet après-midi. Là, on est reparti à 4h cet après-midi et ça fait du bien de retourner sur le sentier.
sonné. Et c'est parti pour l'ascension du Mont Whitney. Ça fait peut-être une semaine qu'on en parle. Tellement excité de monter là-haut. Let's go, je vais réveiller Max et c'est parti. Max, où t'es chaud quoi? Ça va quoi? Salut! Aujourd'hui, on est censé se faire Forester Pass. Elodie et Stéphane, c'est pour vous. Et il fait un temps de merde ultime. C'est pas très beau, hein? Alors! Donc on vient de passer le Forester Pass. Qui est juste derrière nous là-bas. On est le 11 juin et on vient de sortir d'une super tempête de neige. Et là on vient de passer le plus haut point du PCT. Plus de 4 mm. Bra bra bra. Check ça. Il y avait deux types de personnes. Ceux avec les bouteilles pipi et ceux sans les bouteilles pipi. Sans bouteilles pipi. Donc il avait pas de bouteille pipi, moi j'en avais une. Et c'est en gros, bah t'as la flemme de te lever la nuit dans le froid pour aller faire pipi. Donc tu prends une bouteille et tu pisses dans ta tente dans la bouteille. C'est normal. Tranquille. Tranquille. Et ça te fait... Quand t'as vraiment froid, ça te fait du chauffage, tu le mets au fond de ton duvet là, ou alors, c'est dégueulasse, mais c'est je l'ai fait, dégueulasse. Je l'ai mis dans mon oreiller mais parce que j'avais froid, et que j'ai mis la bouteille pipi dans mon oreiller parce que j'avais vraiment froid et j'étais bien là, avec mon pipi tout chaud, tu vois, c'était cool. Just bless the morning, yeah. Oh, what's in on toes, cousin sleeping bags, I've come to know that friends around you. Une bière. Et un petit peu. C'est luxe. On est dans les toilettes. Voilà. Alors, des bières là. Attends, merci. On est dans les toilettes publiques. On est dans les toilettes sèches. Ils ne sentent pas, pour une fois c'est bien. Et on y est parce qu'il y a une infestation de moustiques. L'infestation. Et c'est une infestation, j'ai jamais vu ça. Même au Mexique, j'ai jamais vu ça. Et donc on a décidé de venir manger ici, parce qu'on ne pouvait pas manger dans la tente à cause des ours. Donc voilà, on est là, en compagnie de Jules, qui nous accompagne depuis Red Meadows maintenant. Donc voilà.
C'est joli, hein. Putain, on va pas ça tous les jours, hein. La botte. Ça fait du bien de manger de la vraie bouffe. Attends, bien. Ça fait du bien de manger de la vraie bouffe. Quoi. Merci beaucoup, Marilyn. Marilyn. Surtout la confiture au coin. Mention spéciale pour la confiture au coin. Il y a encore 2 heures, je ne savais pas ce que c'était un coin. On peut vraiment vivre avec pas grand chose au final. On avait 15 kilos sur le dos, de 15 à 20 kilos sur le dos, et puis. Bah, tu vis avec ça, puis t'es content, t'es heureux quoi. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces choses qui viennent s'immiscer dans notre vie, la technologie, surtout la technologie, machin et tout. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Le nombre de temps que tu perds dans la vie, voilà. De tous les jours à procrastiner sur des conneries, quand en gros tu déroules la page Facebook et tu regardes comme ça là. Ouais, voilà, qu'est-ce que tu fais mon gars là? T'as d'autres choses à faire quand même, et tu sors de ta bulle. Et relativise, prends du recul sur ce que t'aimes vraiment faire, vraiment ce que tu aimes dans la vie. Concentre-toi, qu'est-ce que j'aime faire. Essaie de partir dans cette direction-là parce que ça va te rendre encore plus heureux. Et voilà, il nous reste 500 miles. En avant. Accueil des Huckleberries. Autant dire que là, on aurait eu une pâte brisée, on aurait fait une belle tarte. Regarde ça. C'est pas beau ça? Voilà, avant-dernier jour. C'est bien. C'est 6h du mat et il a neigé partout. C'est royal à ce moment. Et ben aujourd'hui, on est le 12 septembre. 146e jour depuis le début. Il s'en est passé des choses depuis le Mexique. Hein. Voilà, on est avec Max là. Et il nous reste plus que quelques mètres avant le monument. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'étais aussi fier de moi. Je me dis, mais waouh quoi, t'as vu ce que t'as fait. On vient de marcher 4300 bornes quoi. Donc, Le chemin, quand tu vois, imaginez le chemin parcouru, c'était, mais ça donnait vertige quoi. Voilà, on est à la frontière canadienne. Ça y est. Quand on a franchi la ligne d'arrivée. Bah en fait, c'est bizarre parce que c'est. Tu l'imagines toutes les façons. Tu l'imagines à pleurer ou peut-être que je vais pas pleurer. Ou... On l'imagine ce moment 10 000 fois à l'arrivée quoi. C'est brutal. On arrive à l'arrivée, on dit bon. Bah voilà. Bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quand on se lance dans n'importe quel projet, si on a du cœur et si on a de l'envie de le réaliser, on le réalisera. Only love is all. Gluey feathers on the floor. Ooh. Sky is one bench, she's the moon.